ce que c'est? Le cœur d'un ancien. Le cœur d'un an... Oh, oui, oui, c'est bien ça. C'était pas facile de le tuer. Ça alors? Les grands monstres de pierre sont durs à tuer? Étonnant. Attends, on vient de recharger la partie, maintenant on peut lui parler d'un cœur d'un ancien. Mais il parle d'un ancien genre qu'on a combattu en jeu normal, je crois. Ah. Hey, tu te serais pas pris le bec avec un type du genre mauvais, à peu près ta taille, insensible à la douleur, l'air ivre-mort mais juste un peu lent. Mais tu crois que ça me fait plaisir? Si j'avais voulu traiter avec les As, je me serais installé près d'un bordel ou d'une arène de combat. Ou d'un bordel de combat. Il a dit As, comme les dieux? Non. Non. Juste une chose, faites bien attention à vous. Ces temps-ci, il y a encore plus de saloperies mortelles qui parsèment les routes que d'habitude. On a remarqué. T'as une idée d'où ça peut venir? Y a peut-être plus de place à elle. Ou bien c'est encore Odin qui prépare un sale coup. Ou peut-être qu'ils se sont perdus. T'auras qu'à leur poser la question quand ils te mâchouilleront le visage. On fera attention. C'est bien. Il y a toujours cette merde que quand on fait triangle, ça... En fait, quand on fait triangle, il prend la hache dans la main. Et à chaque fois qu'on parle, bah, il prend la hache dans la main. Prof, qu'est-ce que tu sais à propos du serpent dans le lac? Je sais qu'il est bien trop gros. D'accord. Ah, ça y est. Allez, on se met au travail. Ah, on a débloqué une nouvelle armure. Cœur d'ancien. Ah, attends, putain. C'est tout? C'est qui les anciens? Le codex, c'est qui les anciens, s'il te plaît? Dis-moi. C'est les gros géants avec leur cœur. C'est ça, les anciens? Ah, mais le bestiaire, il a été reset ou quoi? Non, pas tout. Troll, Valkyrie, on sait pas, primordiaux, anciens. Ah, c'est ça, ouais. Ok. Ah, donc c'est pour ça, parce qu'on a encore des cœurs d'anciens chez nous, donc on a débloqué des armures. C'est parti. On a débloqué des armures, genre épaulière des anciens plus. 30% résistance aux givres et brûlures et à l'empoisonnement. C'est pas mal ça. Oh, effet cumulable jusqu'à 85%, putain. C'est pas mal. Défense 80, putain. C'est quoi ces stats, quoi? Ouais. Ils ont tous résistance, quoi. Cool. Pas de soucis. Cool, cool. Y a aussi des images de gameplay sur Claire Redfield. J'ai pas envie, je veux pas les voir. Je me suis déjà... J'ai déjà regardé plus ou moins le... les vidéos sur Resident Evil 2. J'ai vu le gameplay, j'ai vu tout ça, mais j'en ai déjà un peu trop vu. Donc je refuse complètement de regarder des images en plus et tout ça. Claire, j'ai dû voir une seule image d'elle. Une seule. Et c'est tout. Mais je refuse de voir son gameplay ou quoi que ce soit. Parce que déjà, avec Léon, j'en ai vu trop à mon goût, je trouve. Mais bon, bref. Je préfère avoir la surprise. Parce que, parce que les développeurs maintenant, ou alors je sais pas, ceux qui font les trailers et tout ça, les avant-premières et les conneries comme ça... On peut pas leur faire confiance. On peut tellement pas leur faire confiance. On va vadrouiller ou alors on fait l'histoire principale. Alors on va faire un peu l'histoire principale parce que la dernière fois on avait vadrouillé directement. Là on va faire un peu l'histoire. On peut pas leur faire confiance dans le fait que au début ils te montrent du gameplay tout ça, comment le jeu marche et puis après ils te spoilent l'histoire comme des connards. Qu'est-ce que c'est? La plupart du temps. Une corne. En voilà le bout. On peut souffler dedans? Sans savoir ce qui va se passer.
Bah, on a poussé tous les boutons et tiré sur tous les leviers qu'on a croisés. Parce qu'on savait ce qui allait se passer. Cette fois, c'est différent. On va devoir développer ton instinct. Il faut Mimir pour faire ça. Les seuls gameplays que j'aimais vraiment regarder récemment, et c'était à l'E3 de il y a 2 ans, je crois, c'était les gameplays de Metal Gear Solid 5. Parce que c'était du gameplay. Ils montraient pas l'histoire. Même les trailers étaient bien, mais ça te spoilait pas l'histoire. Yeah, bien joué. Avec un peu de chance, cette tour mène à la montagne. Faut que c'était quoi le combo que je faisais, c'était ça, ça, et après il y a une seconde d'arrêt et après le saut. Il y a genre une seconde d'arrêt. Salut Saphir, ça va? Quoi, mon bruitage personnel? Pas mal, hein? Je connais pas ces runes. Si on retrouve le pad, je pourrais les traduire. J'aurais dû faire bruitage de jeu. Je peux pas lire. Alors, on va se concentrer un peu sur l'histoire. Enfin, se concentrer, on va faire quelques trucs. On l'a déjà vu. On va faire comme si on sortait l'arme quand les combats sont sérieux, mais si c'est des trucs à la con. Si c'est des petits monstres, on reste à la main. Pour faire genre. Faire genre, on est trop puissant. T'as vu ça? J'arrive toujours pas à les lire. Regarde là, un autre. DMC5, gameplay démo de 15 minutes. Ah, je suis pas super intéressé par DMC5. Oh, regarde. Je sais pas. Il a mordu Thor. Ou il le mordra plutôt. Pas méga fan du nouveau DMC. Qu'est-ce que j'allais dire du nouveau Tomb Raider? Non, du nouveau DMC. J'aime pas Neo en fait. Non, Nero. Et eux par contre sont relous. Bam. Ça va. Salut Vancter, bienvenue. Salut Orion. Pour faire... Ah merde, pour revenir.
Oh, c'était quoi exactement? L'odeur est épouvantable. Ta mère les appelait des poteaux d'infamie. Ils libèrent du poison. C'est elle qui m'a appris à les neutraliser. Quoi? C'est drôle de penser qu'elle ait pu t'apprendre quelque chose. C'est vrai. Ah, je savais pas qu'il récupérait sa hache comme ça automatiquement. Marrant. Wow. Il y a du brouillard par ici. Le contrefort. Oh la vache. On a mis tellement d'heures pour y l'atteindre la première fois. Non. Ne fais pas attention à lui. Parce qu'on a vadrouillé partout, c'était abusé. C'était abusé. Où as-tu trouvé cette hache? Ça ne te regarde pas. Oui, je te le concède bien volontiers, mais je connais cette arme. C'est une de nos œuvres, mais nous ne l'avions pas faite pour toi. Ouh. Écarte-toi. C'est impossible. La femme pour qui on l'a faite, je suis très attaché à elle, et je serais vraiment très chagriné si je devais apprendre que tu lui as fait du mal. Ils sont quand même courageux, hein, c'est... C'était à ma mère. Elle l'a donné à mon père avant de mourir. Oh. Faye est morte. Oh. Le truc. Je suis vraiment navré de l'apprendre. C'était une valeureuse guerrière. Et une femme admirable. Et c'était un géant aussi. Très bien. Spoiler. Alors, je suis d'accord pour améliorer la hache. Mais... on te l'a jamais demandé. Ouch. Alors. Oh, ça me changera les idées. On a de nouveau opérateur des réseaux. Ah, maintenant on peut peut-être utiliser les pierres de résurrection. Parce que c'est à ce moment-là du jeu qu'on récupère les pierres de résurrection. Parce que les deux fois où on est mort, je crois, il nous a jamais demandé si on voulait les utiliser. Oh, rien ? Je vois. On va faire ça. Parce que là, si je me rappelle bien, il y a du combat. Let's go! Atreus, ici! Oui, père! Putain, je vais sortir la rage. Pas mort. J'ai cru qu'ils allaient nous tuer. On n'a pas eu besoin de sortir la rage. Presque. Il y en a encore un vivant. Ah, il est là. Okay.
Queer. À deux doigts sortir la rage quand même. P et B à l'envers. Il faut se rappeler ça à chaque fois. Tire tout à côté. Oh, je vois rien. On peut faire ça. Ok, non, mais c'est bon. B à l'envers, putain. Bah, je crois que c'est bon. Tu as 12 boss déjà? Ouais, complètement. Non, on n'a pas fait grand chose encore. On n'a pas fait... Ouais, on n'a pas fait grand chose. On va garder les pierres quand on les voit par terre. Juste au cas où. Ok, là on peut monter. Après, coffre. Hop là. De toute façon, si je me rappelle bien, on va devoir... On va devoir repartir parce qu'il y a le pont qui est couvert de ténèbres ou un truc comme ça, non ? Donc on va devoir aller trouver la lumière, une connerie comme ça. Et à ce moment-là, on ira vadrouiller. Ah oui. Sauf pour les lames du chaos. Parfait. Maintenant, bon. J'arrive pas à voir. Est-ce qu'on se rapproche de la montagne? Oui. Ça se passe bien, Exvius. Orion. Oh non. Sois prêt. Là. C'est ouais. Pas une malédiction qui va nous arrêter. On va bientôt pouvoir la créer, la première partie de l'armure. La première partie de l'armure. Encore une renforce.
Bam. Vaporisé dans les cendres. Ah ouais. Eh ouais. Droite ou gauche? Ah. Ouais non, ça c'est le... Mais c'est le chemin principal. Je crois. Ah, et ça c'est la... C'est la Valkyrie. Valkyrie. Farm les cristaux pour les chimères, c'est rien. Ah cool. Ouais non, le mieux c'est de regarder sur le Wikipédia parce que je sais plus qui est censé augmenter quoi. Après il y a des habilités à prendre et à pas prendre. Tu penses que tu pourrais me laisser la porter sur la fin? Je t'ai déjà dit non. Pourquoi? Je tenais plus à elle que toi de toute façon. Quoi? Oh. C'est juste que je passais plus de temps avec elle. T'étais souvent à la chasse. Tu ferais mieux de te taire maintenant. Des loups! Des loups, bam, 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 bam. Très simple. Je n'ai plus celle qu'à toi de toute façon. Ah oh. Ah là. Oh. Signe irrégulier de survie. Attention. Oh là. Père, regarde. C'est parti. C'est parti. De l'enfer. Oh.
Le gameplay est tellement cool de jeu, c'est quand même. Atreus c'est cool avec sa nouvelle armure, les. Un ogre ici? Qui a construit cet endroit? Il a l'air quand même bien plus puissant. C'est cool. Ça va être encore mieux quand on aura les flèches et tout, ça va être sympa ça. Certaines armes, 6, 7, 8. Ah, cool. Oh, je comprends pourquoi maman voulait qu'on l'amène ici. En effet. NG+, ça signifie quoi? New Game Plus. Donc c'est un nouveau jeu, donc c'est recommencer le jeu. Et le plus signifie que la plupart du temps, dans les jeux, on garde nos armes, armures, expériences, etc. Mais le jeu est plus dur. Sinon, c'est pas drôle. C'est une nouvelle partie plus, quoi. Mais ça fait con de le dire en français. C'est de la fumée ? Et logiquement, on va aller à la sorcière, à Freya, ou je sais plus. Ne t'approche pas. Ah, qu'est-ce que c'est? On doit trouver un autre chemin. La sorcière, si seulement elle était là, je parie qu'elle saurait nous faire passer. Ma magie est impuissante contre le souffle noir. Ah, mais on n'a même pas besoin d'aller la voir, elle est là, c'est vrai. Odin s'en est assuré il y a longtemps. Qu'est-ce que vous faites ici? Je veille à ce que tu puisses finir ton voyage. Saloperie. Pourquoi ne pas nous avoir prévenus? J'étais occupée à sauver mon ami. Sale Valkyrie. Ah, si je fais 4 combats avec une arme, je pourrais enlever une habilité que je... Oui, c'est ça. On va dans un autre royaume? Vous venez avec nous? Seulement pour un temps. Juste pour un temps. Oh yes, on va chez les elfes. Oh, je crois que les elfes, c'est le meilleur moment du jeu. Honnêtement. On va se servir de ça. Greitha. Je t'ai entendu, toi. On peut pas. Sindri a dit qu'il était cassé. Sindri? Le nain au pied de cette montagne. Il le réparait quand on est arrivé. Je n'ai vu personne quand je suis passé. Il avait peut-être fini. Les nains sont pleins de ressources. Et agaçants, en jugé par les deux qu'on a rencontrés. C'est vrai. Ah.
tourne ce levier. Ah, wow, je suis pas ton boy. Là, tu vois ? Je suis pas ton boy, la Valkyrie, hein. Le temple de Tyr est au centre du lac. C'est là que se situe le passage vers Alfheim. Espérons juste qu'il ne soit plus sous l'eau. Que fait cette créature dans le lac ? Nul ne le sait. Il est apparu un beau jour. Peu après, Thor l'a attaqué et leur combat a fait trembler tous les royaumes. Aucun des deux n'en est sorti vainqueur. Et Thor est reparti voir Odin les mains vides. Le serpent est resté et il a grandi au point d'entourer tout Midgard. Tu vois, je te l'avais dit. Ils se détestent depuis ce jour. Et ils finiront par s'entretuer lors du Ragnarok. Vous croyez au Ragnarok ? J'aimerais que ce ne soit pas le cas. Mais tu sais qui c'est qui va apporter le Ragnarok ? Il est là, il est juste là. Il est juste là. Le petit gamin là. Vous savez, on a parlé au Serpent Monde. Petit gamin, c'est Ragnarok. Une exagération. Non. Je suis doué pour les langues. Même celles que j'ai jamais entendues. Mais quand il parle, je comprends pas un mot. Personne ne le comprend, hélas. Il parle une langue morte. Oh. Il doit se sentir seul. Plus je fais des combats, plus les habiletés deviennent fortes. Non, plus les pourcentages pour récupérer des bonnes habiletés augmentent. On est déjà passé par là et il n'y a aucun moyen de traverser. Vous voyez ? C'est tout. Tu en es certain ? Je vais te montrer quelque chose. Tu regardes bien ? Ah, regarde-moi les pieds, ils sont tous sales maintenant. Les hostes. Marqué dans la boue. Il est solide ! C'est de l'architecture elfique. La corde de mon arc a été baignée dans la lumière d'Alfheim. Grâce à elle, je peux ranimer la magie des elfes. Attendez, il va pas disparaître ? Non, pas tant que la lumière brille sans entrave. Par ici. J'en veux une. Ces racines, de quelle magie s'agit-il ? Celle d'Evan. De Vanaheim ? Tu les connais ? Seulement quelques histoires. Maman m'a pas dit grand-chose sur les dieux Van, à part qu'ils menaient une guerre perpétuelle contre les As. J'imagine que, comparé à Odin et Thor, ce sont les gentils. Il n'y a pas de dieu bon, Atreus. Je te l'ai déjà dit. Ah, désolé, je dois ouvrir la porte. C'est intéressant de faire le mode MG+. Oui, il y a des nouvelles armures. Et le jeu est plus dur aussi. Donc il y a du challenge. Le temple de Tyr. Le grand tir l'a construit. Donc ouais, nouvelles armures, nouveaux talismans. Plein de nouvelles choses à récupérer. Partout où on va, on se fait attaquer. Surtout par des morts. Les morts vivants sont de plus en plus nombreux. Autrefois, les routes et les chemins étaient couverts de gens. Et là, on devrait pouvoir en récupérer une, je crois. Seuls les pillards sont assez sauvages. On devrait pouvoir récupérer une partie de la nouvelle armure en rouge. On va voir. Ah oui, elle va tourner nous... à droite au bas de ces marches. Ah oui, elle va nous faire faire tout ça là. Oh, c'est chiant. Tiens, encore un cristal lumineux. Attendez là, je vais ranimer la lumière. Allez, dépêche. Ça a marché. Qu'est-ce qu'on fait exactement ? On va réparer le mécanisme. Commence par soulever cet essieu. Bien. Maintenant, remets-le en place. Maintenant, aligne la roue sur le rail. Parfait. Et maintenant, pousse le pont le long du rail. Wow ! Tu fais tourner tout le pont ? Oui. Comment est-ce que tout le pont peut bouger ? Je suis super fort. Oh, t'es vraiment très fort. Pousse jusqu'à ce que le pont revienne dans sa position initiale. Ouais, les Valkyries, mission secondaire, ça sont plus durs. Tout est plus dur en fait. À propos de ces morts. J'ai fait tous les corbeaux, non. Quelqu'un les appelait des éléans. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont de pauvres âmes tourmentées qui ont été privées de jugement et de paix. Par qui ? Est-ce que la magie d'Evan peut ressusciter les morts ? Avant qu'on passe en NG+, il m'en restait 9 à faire. Mais il ne s'agit pas d'un sort. Mais bon, c'est chiant. Le signe d'un déséquilibre dans notre monde. Très chiant les corbeaux. Quelque chose ou quelqu'un a perturbé de puissantes forces. Faudrait les faire petit à petit en fait. C'est parfait. Remontez.
t'es prêt. C'était très impressionnant. Tu t'es pas fait mal au dos, j'espère. Non. Mon dos va très bien. À travers ces portes. Attendez, ce sont les géants ou les elfes qui ont construit le temple de Tyr? Toutes les races ont aidé à sa construction. Ce fut le dernier grand acte de coopération entre les royaumes avant que la paix disparaisse pour de bon. Tire là ta flèche. Lios. La corde de votre arc ne brille plus. Son pouvoir s'est épuisé. Il ne restait plus que quelques encoches de magie dans la corde et nous les avons toutes utilisées. Oh. Passe-moi ton arc. Quand vous aurez trouvé la lumière d'Alfheim, infuse ta corde de sa puissance. N'oublie pas. Vous parlez comme si vous veniez pas avec nous. Je vais essayer. Mais on a fait en sorte que je ne puisse pas quitter Midgard. Pourquoi ? Les dieux ne m'apprécient guère. On y est ? Il fait si sombre. Ce temple a dormi sous l'eau pendant presque 150 hivers. C'est embêtant, on peut pas. Il n'attend que la lumière du Bifrost pour revenir à la vie. On peut rien zapper. Votre magie produit pas ce genre de racines. Elles sont différentes. Ce sont les racines du grand arbre monde. Elles permettent de voyager entre les royaumes. Ta 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 ta. Allez. Donne le Bifrost. Approche-toi de la table. Comment ça fonctionne ? Tu auras besoin de ça, un Bifrost, pour passer entre les royaumes. Il emprisonne, retient et transfère la lumière d'Alfheim. Place le Bifrost ici. Bourrin. Et maintenant? Sois patient. Le temps... Ça, on peut passer. Le pont que tu as poussé dehors est positionné pour mener au royaume de Vanaheim. Maintenant, tourne la roue jusqu'à notre destination. Alfheim. Oh, est-ce que le grand pont dehors bouge en même temps? Oui, la roue fait bouger le pont et le pont s'aligne avec les différents tours des royaumes sur le lac, dehors. Je veux te taper des monstres. Ce royaume n'a pas de tour. C'est pour ça que le voyage vers Jotunheim est impossible. Si le pont n'a pas de tour sur laquelle s'aligner, la séquence ne peut commencer. Ferme ta bouche. Chaque royaume dispose d'une rune qui débloque le pont y menant. Je te donne celle d'Alfheim. Tu peux choisir ta destination maintenant. Alpha. Nous sommes prêts. N'oublie pas de suivre le Bifrost. Ne le perds surtout pas. Maintenant, le pont de passage va s'aligner. Et le monde entre les royaumes va s'ouvrir. Je pense qu'on va retourner à Midgard par contre. J'ai envie de me balader dans Midgard. Vous voyez ce cristal géant? Chaque royaume possède le sien. Il concentre et amplifie le pouvoir du Bifrost et ouvre le pont vers le royaume. Enfin, si on peut. Voilà pourquoi le passage entre les royaumes n'est possible que depuis cette pièce. Et pourquoi est-ce qu'il manque une tour sur le lac? La tour de Jotunheim a disparu de tous les royaumes il y a de cela plus de 100 hivers. Quand les géants ont quitté Midgard, personne ne sait où elle est passée, ni comment ils l'ont déplacée. Oh. Ok, on gagne. On gagne une pierre de colère. Ça a pas marché. On est toujours là. Suivez-moi. Le Bifrost est noir. C'était son dernier voyage. Vous ne pourrez pas revenir tant que vous ne l'aurez pas rempli de la lumière. Oh là ! J'avais oublié ce détail. Ah, on est oublié, on est bloqué ici. Difficulté à revenir à Midgard. Ah merde. On pourra repousser le souffle noir. Une fois que vous aurez la lumière. Ah, on est bloqué chez les elfes. Oh chier. Oh, c'est pas grave, j'aime bien les elfes. C'est mieux de finir à 100% de jeu avant de recommencer. Ça dépend de la difficulté, je pense. Si on veut jouer en God of War, bienvenue à Alfheim, c'est mieux de... Vous pourrez apercevoir...
c'est mieux d'avoir les armes les plus puissantes, enfin les enchantements les plus puissants, les armures les plus puissantes, donc oui, plus ou moins finir à 100%, tuer les Valkyries et tout ça. Elle est située dans un temple en forme d'anneau, ce qu'on cherchait là-bas. Non, non, non. Allez, casse-toi. C'est pas vrai, pas déjà. Qu'est-ce que ça ? Mais c'est pas nécessaire après. Après, si on est proche de finir, par exemple, les corbeaux, il y a quoi ? Il y a quoi exactement ? Il y a les corbeaux, les coffres de Norn, légendaires, tout ça. Si on a bientôt fini, si on est proche de tous les avoir, oui, c'est mieux de les finir parce que ça suit pas, en fait. Ça se reset une fois qu'on recommence en NG+. Je crois que tu l'as tué. Regarde là-haut. Wow. Pourquoi ils ont fait ça? Ça ne nous regarde pas, Atreus. Concentre-toi. Atreus, par ici. Qu'est-ce que ça dit? Ça parle d'une guerre éternelle pour la lumière. Je comprends pas, s'ils en ont tous besoin, pourquoi ils la partagent pas? Par cupidité, tu apprendras vite qu'elle est à l'origine de bien des guerres. Ah oui, je me rappelle que là, en fait, on aide les mauvais elfes. Les elfes noirs sont les gentils dans l'histoire, je crois. Ils continuent de tuer les elfes blancs. Ça reste une guerre, même si elle est sur la fin. Les dépossédés ont perdu. Oh. Pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. C'est un talent. Ils sont vachement fragiles à ça, en fait. On va les taper à main. On va faire ça. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils nous attaquent? On leur a rien fait. Il en viendra d'autres. Bah. D'où sort cette matière, au juste? Oui! Oui! La dernière Valkyrie... Ouais, la dernière Valkyrie, elle est comac. Tu m'as parlé? Non. Oh, d'accord. Elle a énormément d'attaques à se rappeler, en fait. C'est surtout ça, le problème. Comment es-tu arrivé ici, nain? Notre chemin était censé être le seul. Le seul pour vous, peut-être. Mais nous autres, les nains, sommes pleins de surprises. Ce n'est pas une réponse. Oh, laisse-toi émerveiller. Il reste si peu de mystères quand on a emmagasiné autant de savoirs des arcanes que moi. Trouver des ressources rares dans les royaumes. T'as toujours ce petit problème. La voix, elle est très faible. Quand on leur parle des fois. Cela semble certainement magique. Bon, d'accord. C'est magique. Là, t'es content? Vous avez vraiment fabriqué cette hache pour ma mère? Oh, je la reconnaîtrai entre mille. Une de nos plus belles œuvres. Infusée de l'écho des cris de 20 trolls des glaces. À peu près. Mais pourquoi elle? Comment vous l'avez connue? C'est elle qui... Je crois qu'il faut faire les conversations, comme ça, ça débloque des trucs. Je me rappelle plus trop. C'est ça débloquera les... Femme spéciale. Elle voulait protéger les gens. Les missions secondaires et tout. Vu une occasion de donner du Donc pouvoir on est obligé de à les faire. Qui l'utiliserait pour faire le bien. Elle parlait même notre langue maternelle. Elle nous a dit... Mavrin sem Gengur. Eh ouais, Egin vegum hans. Gengur ein. C'est ça. Impressionnant. Je vois beaucoup d'elle en toi. Tu sais. Merci, Sindri. Ne me touche pas. Quoi? J'ai rien fait. Pardon. Je reviendrai plus tard. Prudence et mère de sûreté. Il n'y a guère plus de bonnes âmes ici depuis que tout le monde est parti. Je ne voudrais pas généraliser, mais on essaie le plus souvent de vous tuer. C'est noté.
Je sais que ça ne me regarde pas, mais si j'étais toi, j'effacerais ce symbole que tu as dans le cou. On nous a dit que ça nous protégerait. On nous a menti. Oh non, c'est bien un symbole de protection, mais pour que ce pigment spécifique tienne sur la peau, il faut le mélanger à de l'urine de sanglier. Est-ce vraiment préférable à la mort ? Légèrement, oui. C'est ton coup, après tout. Bah. Imri, t'as toujours été aussi... Propre ? Si seulement. Mais non, j'étais aussi crasseux que n'importe quel nain, jusqu'à ce qu'une sorcière, Van, me remette sur le droit chemin. Grâce à sa magie, elle a découvert qu'il y avait des centaines de milliers de petites bêtes qui vivaient autour de nous. Bah, si minuscules qu'on ne les voit pas. Non. Je t'assure. Et si elles rentrent dans ton corps, elles te rendent malade. Mais la sorcière m'a dit qu'il y avait un bois, le chêne, qui était un répulsif naturel et qui empêchait ces sales bestioles de se répandre. Depuis, toutes mes poignées sont en chêne. Je pense à tout, tu vois. Allez, je dois me remettre au travail. Allez, non. Oula, ça m'est gavé. Alors, tunique Viken, et on peut faire une tunique, une super tunique, yes. Pomme de hache. Ouh, pomme de hache. Ouh, on peut faire les talismans. Aussi, c'est vrai. Cool. Alors, God of War, Vagabond Plus ou Ancien? Je pense God of War, évidemment. Non? Évidemment. Un curieux accoutrement aux propriétés étranges. Alors, l'utilisation d'une pierre de santé ou d'une pierre de rage génère une puissante explosion qui inflige aux ennemis à proximité des dégâts de givre et de brûlure. Ou alors, on peut prendre une autre partie. Alors, par contre, moi, j'ai quoi ? Faible chance de réinitialiser instantanément la récupération de toutes les attaques runiques. Non, ça, on va la garder jusqu'à la fin. Forte chance d'obtenir un atout de grâce runique en utilisant une attaque runique. Ça aussi, c'est bien. Il n'y a que le torse qui est pas top. Faible chance d'obtenir un atout aura imparable qui empêche toute interruption ennemie à chaque coup réussi. Ça c'est le moins intéressant, je pense. Donc, on va prendre le body. On va prendre le body. Type de face. Allons. Et maintenant, on va rire. Oh, putain, il faut des perles de colère aussi pour l'augmenter. La oh putain. Ça va coûter cher. Enfin, ça va coûter cher. Non, ça va prendre du temps surtout. Alors, cœur de Valkyrie. Attends, on peut voir ce qu'on a mis. Ah tiens, on a des nouveaux trucs. Forte chance d'obtenir un atout de don de force quand la santé de Kratos niveau critique. Non. Chance de modèle d'obtenir un coup de grâce. Un atout grâce à chaque blocage réussi. Non, c'est pas intéressant. Alors. Attends. Alors. Cœur des Valkyries. Œil de l'élu. Esprit. Cœur des Valkyries, œil de l'élu, esprit. On va les mettre dans l'ordre. Voilà, ça c'est pour esquiver plus loin. Cœur des Valkyries. Protection avec Kikoé. 50% sous les états. Ok. Et après, on a quoi? Ah, oh, je m'en rappelle plus. Ça y est. Esprit corrompu. Ouais. Ok. Ok. Mais bon. On va voir un peu nos stats. Ouais, c'est pas mal. Pas mal, pas mal.
On a plus de chance, c'est bien ça. Pour le prochain Goldorf, tu seras poussé la barre et tu auras peut-être un tatouage temporaire rouge. Peut-être. On fera peut-être du cosplay de Kratos pour God of War 2. Regarde, il y a un batteur coup. Ce serait drôle. Ta mère t'a-t-elle parlé de ce royaume? Pas vraiment. Elle m'a juste dit que le fait que les elfes se battent pour la lumière les isolait. Ça sert à quoi ça déjà? Procure un bienfait, la récupération augmente de 2 points. Ah yes, ok, c'est vrai. Ça augmente les stats. Quoi? Non, je n'ai rien dit. Étrange, j'étais sûr que t'avais parlé. Qu'y a-t-il, Atreus? Les voix! Tu les entends pas? Je n'entends rien. Elles ont disparu. Il y avait des cris. Et plein de voix en colère. On peut pas passer. T'as vraiment rien entendu? Non. Elle est sympa l'armure, là en gros plan là. Elle paraissait. Sorte d'écaille de dragon. Magnifique. Enfin, des écailles, quoi. De quelque chose. Regarde, on devrait peut-être essayer de leur parler. Non. Mais ils ont peut-être besoin d'aide. Tant qu'ils n'essaient pas de nous arrêter, ça ne nous regarde pas. A plus, Orion. J'ai dit que ça ne nous regardait pas. A plus, plus, Orion. Incroyable. Ça doit être le temple en forme d'anneau. Il y a des vasques de sable à Alfheim aussi. Quelle est la question? Sans moi ou en moi, ta mort est sûre. Mais en toi, je rends la vie plus pure. Mais je vois pas d'autres runes ici. Retournons au bateau. Faut pas abaisser l'eau ou un truc comme ça, je m'en rappelle plus trop. Le Kylo Wyvern, peut-être. Ouais, c'est pas mal, c'est joli. C'est l'heure de combattre. Ah oui, il y a un truc à récupérer. C'est triste que les elfes n'arrivent pas à s'entendre. Alfheim est un endroit magnifique, mais la guerre gâche tout. Tu vois avec les yeux d'un enfant. À la guerre, un soldat ne voit la beauté que dans le sang de l'ennemi. Assez. Les histoires sont pour le bateau. Nous devons marcher. Ah, eux, je les aime pas. Et fou. Fais chier. Eric, bienvenue, Eric.
juste récupérer l'objet. Hein. C'est quoi ? Ah. Rien d'intéressant. Yusko. Corbeau. Ah, là. On va aller là. Ah oui, je me rappelle. C'était quand même un peu chiant ce système. Hein. Putain. Enfin, c'est pas chiant, mais c'est très... Des fois, faut bien trouver dans quel sens et tout. Enfin, moi, j'aimais bien... J'ai toujours bien aimé les puzzles de God of War. Ils sont vachement bons. Tada. Mon écran vidéo est noir, c'est une Twitch. Bah... Peut-être brancher les câbles. Non, je sais pas. Je sais pas. Ah merde, pourquoi j'ai analysé. Oui, je sais que il faut la. Il faut le pic qu'on a pas et qu'on a plus tard. Tu vois bien. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Et pourquoi tu dis que je vois avec les yeux d'un enfant ? À la guerre, un soldat ne voit la beauté que dans le sang de l'ennemi. Il oublie tout le reste. Parfois, à tout jamais. Toi... Oups, pardon. Tu connais la guerre, pas vrai ? Les guerres sont motivées par deux choses. La survie et le gain. Les batailles sont gagnées par les meilleurs soldats. Les guerres sont gagnées par ceux qui sont prêts à tout sacrifier pour s'assurer la victoire. On va aller voir le rift. Le rift, normalement, c'est très élevé à chaque fois. Donc on risque d'avoir une super surprise. Pour info, tu rushes l'histoire ou est-ce qu'hier t'as déjà libéré les dragons ? Non, on n'a pas rushé l'histoire. Bah là, on s'est concentré un tout petit peu sur l'histoire, mais on est au début encore. On n'a libéré aucun dragon, rien du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah oui, il faut le faire d'en haut, je crois. Non, là on est... En fait, je me suis retrouvé bloqué chez les elfes. Je me souvenais plus qu'une fois qu'on est parti chez les elfes, on est obligé de les faire. Donc on finit les elfes. Et après on va vadrouiller. C'est parti. Regarde. Je suis
On va aller là-bas. Ah oui, on peut faire ça. Tout au hasard. Tout au hasard. Atreus, avec moi. Comment on passe? Faut aller de ce côté? Voilà, voilà, voilà. Ça revient après. Erreur 5000 contenu dont disponible. Ah, oups. Je sais pas. Ok, Rift. Aïe, aïe, aïe. Let's go. Tuer les ennemis en une... Oh putain, pas de temps. Chier. Maintenant on est limité dans le temps pour faire les rifts, j'aime pas ça. Les timers, c'est pas mon truc. Poussière de royaume. Ah, perle de colère. Les timers, c'est pas mon truc. Il y a une aura en plus, une sorte d'explosion. Faudra tester en jeu. Enfin, avec des ennemis aux alentours.